Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 39e épisode de Palworld en coop, et aujourd'hui on continue de se faire des boss. Allez, c'est parti! T'es en train de te battre là? Attention, tu te rapproches des gens Moontrid là. Viens sur la berge, viens sur la berge. J'avais pris de la flotte. Quelle berge? Là où j'étais, où tu viens juste de passer en fait. Là, ici, je suis là. Coucou. Je vois. Derrière toi, reviens. Là. Ah oui. Là. Je voyais un dresseur sans pitié. Voilà. Et le genre Moontrid, c'est le gros truc dans l'eau, là. D'accord. Bon, faut pas oublier qu'on a un fusil d'assaut. Hein. Ouais. Parce que les balles vont partir vite quand même. Faut essayer d'éviter ces grosses attaques. Parce qu'il y a des attaques d'eau et des attaques de dragon en même temps. Si tu vois que ton bouclier est descendu, remets-toi derrière à l'abri pour qu'il se recharge. Et dépense pas toutes tes balles. Ouais, mais tu veux que je me tire comment à distance? On lui a retiré 1300 points, lui. C'est vrai que le fait qu'il soit dans l'eau, c'est chiant, quoi. Ouh. On peut pas le taper à l'épée. Il a perdu 1500 points, déjà. Il lui reste 3000. Faut essayer de la tirer à la rigueur sur ta... au bord de l'eau. Ah, c'est bon. Il va se faire avoir. Ah, moi, je tire plus là. Je laisse travailler mes. J'ai un Anubis qui le travaille, mais... Ouais. J'ai mis mon Felbat pour l'instant, je vais envoyer mon Anubis après. Tant qu'il tient le coup, le Felbat. Il est où le Felbat, les gars? Ouais. Tiens, un petit coup de lui aussi. Ouais, le feu, ça va pas faire beaucoup d'effet, ça. On va mettre l'Anubis. Il manque pas grand chose pour qu'il soit attaquable là. Ouais. Je lui ai remis un petit chargeur. Hein. Mais la dubis il fait rien là, qu'est-ce qu'il fait? Le mien, si. Ah, ça y est, ça attaque un peu. Je remets mon Felbat, je crois qu'il était plus efficace. 953. Alors 45, oui. Tiens, t'es où que je te donne des meilleurs trucs? Je vais te donner des ultras pour lui. Tiens, viens à côté de moi, je te les jette au sol. Oui, j'y suis. Je te les ai jetés normalement. Elles vont peut-être pas. Ouais, c'est bon, elles ont pas. Ouais. Utilise pas sur lui, c'est juste un mieux. Vas-y, rentre les bestiaux peut-être. J'ai rentré mon Anubis. J'essaie de le descendre encore un petit peu. Allez, à toi de jouer, Nohu. J'essaie de prendre l'aggro. Ouais, vas-y. 11%, ça fait pas lourd. Hein. Sinon, je te donnerai les, c'est les bon. Autres. C'est bon, yeah. C'est passé. Impeccable. Et là, on prend pas mal d'XP avec lui. Hein. Je sais pas si t'as vu, mais... Ouais, bah, je suis déjà un cinquième du level 30, du level 37. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre d'intéressant?
Tu vois que c'est faisable. On n'a pas trop galéré. Il y a la Ligue contre la protection des pales ici. Oui. Alors, du coup, toute la partie nord d'ici, tu l'as pas. Ah si, le nord d'ici, je l'ai. Est-ce que t'as le verdache? Est-ce que tu l'avais fait, le verdache, qui est au nord d'ici? Ah, ça, je ne le vois pas. Alors, il est au nord-nord-ouest, à côté du domaine de la célérité. Si, je l'ai fait, Ok. Plus haut, on a le Sibélix, dans la neige. Sibélix, je l'ai pas fait. Il y a l'Elisabie, que j'ai pas fait non plus, qui est à l'est, le Valette non plus. Ah bah on va aller faire ceux-là, si tu les as déjà découverts, c'est bien. L'Hydran, niveau 30, qui est à côté de l'ancien lieu de culte, je l'ai pas fait non plus. Ah bah on va aller se les faire, c'est cool. Le Warsect. Tu l'avais fait ça, le Warsect. En dessous le territoire des petites poils. En tout, à l'ouest. Hein? Où ça? Oui, je l'avais fait. Alors attends, là c'est lequel que tu vois, tu m'as dit? Et le Hydran, qui est à droite, à l'est de l'ancien lieu de culte. Le Vaillet, tu l'as fait? Le Vaillet non plus, je l'ai pas fait. Ah. Elisabeth non plus. Ah, Elfidan, d'accord. Le Elfidran. Bon, on va aller faire le Elfidran. Comme ça, on va remonter petit à petit. Ce sera nickel. Elfidran, donc on va se taper à l'ancien lieu de culte ou alors aux collines des désillusions. C'est pas les collines. C'est au nord de Elfidran. Alors. Je l'ai pas débloqué. Alors là, on va direction Pen-Ouest. J'ai pas fait gaffe. Bon, on allait. Bah, à peu près. Plaine-Ouest, puis Sud-Ouest, il y a un TP. Ah. Ouais, il y a un TP, la forêt au panda. D'arbalète 3. Plan d'arbalète 3, ben ça peut être bien ça. Il n'y a pas besoin du fusil d'assaut. J'ai déjà une arbalète top. Il m'avait fait, je crois. C'est laquelle, je sais plus, j'ai l'arbalète. Et ah non, c'est une commune. C'est l'arbalète 2 en fait. C'est une commune que j'ai. Ah ouais, moi j'ai la rare, c'est le niveau 2. Les 3, ça doit être celle qui est au-dessus, ça doit être épique, je crois. Ok. Donc je vais aller à l'ancien lieu de culte. Puis Ouais. Je vais aller débloquer l'autre TP, comme ça sera fait avant de faire le. Ouais, ça marche. Bah, je t'attends à l'autre, alors, du coup, à Colline des Illusions. Comme ça, le temps que t'arrives, bah, je vais prendre l'air de mon côté. Donc, je vais me mettre sur un oiseau, quand même. Ce sera plus prudent. Parce qu'il peut y avoir des abeilles qui traînent dans le coin. Hop là. A tout de suite. A tout de suite. Mais là, c'est bon. Ah,
Voilà, un petit Robin Quill. La ligue de défense, elle s'est mal défendue. Arrivé au TP? Oui, oui. Je suis au-dessus alors, je suis là. Je me fais un Robin Quill en t'attendant. Ok, donc t'as dû voir le lieu du boss du coup. Pas du tout. Elfidran, tu l'avais déjà. On y va. J'aurais dû passer chez moi vite fait, reposer. Feldrop qui se repose, c'est pas. Oui, c'est dans la petite zone en bas. Enfin, je crois. Ah non, c'est pas celle-là, c'est plus au sud. C'est elle. Non, si, bisous, bonne nuit. Je l'ai. Je me fais le camp de bandit en passant. Je suis devant et je. Enfin, il m'a pas. Si, il m'a repéré. Bah vas-y, commence à l'enchaîner. J'arrive. Je relâche juste le truc là, qui est là. On se casse. J'arrive. Je crois que j'arrive, je sais plus où je suis là. Je me suis paumé. J'ai réussi à me paumer. Le tue pas tout de suite. Oui, ben je fais ce que je peux. J'arrive. Ah oui, c'est parce que je suis passé un peu. Je suis passé en dessous. Ah. Mais c'est pas vrai, je tourne autour. Ah bah oui, ça y est, je suis là. C'est bon, tu peux le tuer. Enfin, tu peux le tuer, il va le manger. Je voudrais le manger. Aïe. Ah, c'est l'autre là-bas qu'on voit, ces petites grenades, là. Attends, je vais tuer l'autre là-bas, les chiffres. Voilà. Yep. Ça donne pas beaucoup d'XP les vôtres. Le Pétalia, tu l'avais fait. T'as quoi au-dessus? Ah, l'Elisabie, ouais, qu'on peut aller faire au-dessus, au nord. Ouais, alors attends, il est. Oui, c'est plein nord. Ouais. Sur cette petite montagne, à un moment, t'as un contrebandier aussi qui peut te vendre ou racheter des pales. D'accord.
Là, j'ai un TP que j'avais pas débloqué aussi. Il y a une petite grotte aussi là. Ah. Elle est où ? Je sais pas par où. C'est... Le chemin qui serpente la montagne. Ouais, ouais, au moment où ça serpente vers la droite. Vers la droite. Quoi ça ? Ah non, c'est un dresseur sans pitié. C'est tout en bas ou... Ah ouais, là, ici, la galerie... La galerie des disciples, c'est là-dedans, non? C'est pas la galerie des disciples. Écoutez, la galerie des disciples, c'est où il y a le... Le boss... Juste avant que ça commence à serpenter... Ah oui, je suis à côté de toi. Et la grotte, elle est où? Par là. Ah oui. Bon, je me la note. Hein. Je suis juste derrière toi sur mon oiseau. Je t'avais pas vu. Je vais me la noter en... Comment on fait pour mettre un cœur? Ah oui, c'est ça. Je vais mettre la grotte ici. Ah oui, d'accord. T'es rentré? T'es rentré dans la grotte? Non. Je continue vers le boss. Ah bah je suis à l'entrée de la grotte, on va se la faire la grotte, c'est un bon souci. D'accord. Tant qu'il y a une grotte, faut les faire, ça te fait des points de boss. C'est ça qui te fait le plus d'XP, les boss. Bah c'est parti. Toutes les grottes que tu vois, faut y aller. Hein. Oui, mais je suis pas contre. Surtout que là, t'es en recherche d'XP, je crois, pour débloquer une certaine scène. Oui. Mais ça va venir. J'entends taper, tirer. Ouais. Il y a des trucs qui s'énervent, je sais pas ce que c'est. Ouais, mais on dirait que ça s'énerve sur nous. Non, c'est les contre-brandis qui se battent contre des pas. Tu penses? Ouais. Ouais, mais tu regardes. C'était à l'extérieur, il y avait des contre-brandis. Ouh, il y a des billardes. Ah oui, il faut les tuer vite fait, parce qu'elles explosent. Elles font mal quand elles explosent. Elles font pas mal d'XP, mine de rien, les billardes. Elles donnent du miel, c'est gentil. Bon, moi je suis à pied, ça. Du coup, je me fais à pied aussi. Ah, il y a un Loop Moon. Ah, bah, essayez de le choper. Carrément. Ouais, souvent les pales de nuit, on les trouve dans les grottes. Yep, c'est mon troisième. Ah, t'as un 4S là? Ah! J'ai pas eu le temps, non? Non, il y a un centime. Elle est morte. On va lui donner un petit coup d'épée en trop. À droite. Attends, moi je cours pas si vite. C'est bon. À la tienne. Merci, pardon. Et bonne soirée, XK. Et à demain sur Vintage. Salut, XK.
Il donne quoi comme ressources? Il donne que des flèches. Les plus évolués donnent des balles de fusil d'assaut, c'est pas ça. Oh, mon inventaire est plein. Est-ce que je... Pop, toi. Ah, j'ai deux bagues. Comment ça se porte? Dans mon pendentif, il fait quoi? Et en accessoire. Moi, j'ai un pendentif de défense. Ouais, pareil. T'as peut-être looté du pain ou des choses comme ça que tu peux mettre dans ta bouffe, dans ta barre de bouffe. Ah oui, effectivement. Et quelques baies. Et des sous-vêtements. Ah bah ça, tu peux les offrir à ta femme. Franchement, tu dois trancher les sous-vêtements en question. Bon, on arrive à l'arbre. T'attends. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau ici? Je sais pas, on le saura dans 5-10 minutes quand il aura popé. Oh, oh là là. Ah, on les entend mais on les voit pas. Ah, c'est des oiseaux. Oh, ça va être plus chiant à l'épée. Hein. Ok, ça c'est le boss. Donne-moi, il n'y a plus que le boss. Je sais pas s'il y en a. Je crois que j'ai tué les autres. Au moins, il a accepté de se poser. Quand je tire à côté, ça lui fait pas de dégâts. C'est curieux, effectivement. Bon, ça va être à toi de jouer. Pardon. T'en prie, à la tienne. Quelle boule là? Jaune. Elle démarre à 24%. Ouais, les gigas. Ouais. 26 là. Ouais, bah faut plus tirer dessus sinon on va mourir. Et là, ça va rentrer. Oui. Ça va bon. C'est mon 7ème. Coffre de gauche ou de droite? Bah, prends-en un des deux et je prendrai l'autre. Ouais, si t'avais une préférence. D'habitude, je prends celui de droite. Un saphir, et mon inventaire est plein, merde.
Il y a des plans d'armure métal chauve. Prends les plans. Et le manuel. Plan d'armure métal chauffante, ouais, c'est ouais, que de la merde, un plan de pistolet. Il y avait un truc d'apprentissage. Ouais. Ça, ça se jette, ça, ça se jette, et ça, ça se jette. Ouais. Et bah, c'est un inventaire bien plein. Et un éclat de baleine noire. Bella noire. Rassemblez tous pour obtenir une tablette. Ça, c'est nouveau aussi. Bon, ça fait toujours un peu d'XP en plus. Des trucs à vendre. Ouais, c'est eux qui faisaient du bruit tout à l'heure quand on rentrait. Là, ils vont plus faire de bruit, hein. Ok, donc du coup... Bah du coup, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Tu veux pas aller te faire l'abeille avant de finir? Bon, oh, il commence à se faire tard. On se la garde pour la prochaine fois, l'abeille. Ça marche. Parce qu'il faudrait de toute façon que je rentre à la maison pour me vider, je suis vraiment... inventaire totalement plein. Il y a un TP pas loin? Juste là, au sud. Au sud d'où on était. Par là, par là. Vers le bas. Tu descends, tu suis le petit chemin qui va vers le sud. Vas-y, au-dessus d'où on était. Au sud d'où on était, ouais, mais au... Ah, j'ai compris, au-dessus. Non, au sud. Comme j'avais compris au-dessus, on était dans une caverne, bah, je suis monté au-dessus de la caverne. Hop. Et ben voilà. Il faudra se vider un peu partout. Ça, c'est encore. Ça va encore être une horreur. Est-ce que t'as prévu de faire Planet Crafter maintenant qu'il est passé en release? Eh ben, figure-toi que je me tâtais à faire une en coop, qu'il est passé en 1.0. Ah ouais, du coup, c'est pas pour la coop, c'est pour te voir le faire. C'est sympa. Ben, maintenant qu'il est dispo, je l'ai déjà fait en solo, mais maintenant qu'il est dispo en coop, ça pourrait être plus marrant de le faire en coop avec ceux qui l'ont. Juste à la fin. Il n'y avait pas la fin. Il y avait la fin du lore, mais il n'y avait pas la fin de la terraformation. Ils ont rajouté les poissons après, ils ont rajouté pas mal de trucs. Poissons, grenouilles, papillons. Les papillons, j'avais déjà. Les insectes, il y avait déjà, mais tout ce qui est commerce et animaux plus gros que les insectes, il n'y avait pas. Après, oui, il y a les animaux. Tu fais de. Tu avec des gènes que tu récupères, tu craves des animaux. Ouais, donc j'ai peut-être en coop, mais tout seul, je l'ai déjà fait une fois, j'ai pas envie de le refaire tout seul. Bon, bah, impeccable. Je te dis ça pour toi, pour. Oui. Si tu veux le faire pour ta. Pour reprendre ta partie où t'en es. Il y a reprendre la partie où j'en suis, il y a plein de trucs qu'il faudrait que je refasse totalement, je pense. Mais ouais, il y a plein de monde qui est venu regarder sur YouTube ma partie qui date d'il y a un an et demi. Bah, il y a plein de mécaniques qui n'ont pas changé, donc. Donc ça explique ça. Ceci explique cela. Ouais, donc j'y pensais. Je me gardais ça dans le coin de la tête. Mais voilà. Bon, en tout cas, Capo, et merci à toi. Sabdam, désolé pour ta dent. Sabdam a une dent contre nous. Au contraire. Moi, je vous retrouve du coup. Demain avec XK, avec Sabdam, avec Greg Peck et avec Nico si son mal de crâne est parti, sur Vintage Story. Dimanche, je passerai faire un petit tour sur le serveur communautaire et le Rubik's Cube de Stationeers pour voir comment vous avez progressé. Ça sera la visite de la 14e semaine, si je dis pas de bêtises.
Et puis voilà. Et mardi, on sera sur Railroot. Et mercredi, on sera sur Smallland avec toute l'équipe pour... non, pas mercredi, jeudi. Smallland avec toute l'équipe pour une dernière. Et vendredi prochain, Shrouded. Donc encore une fois, merci à vous tous. Je vous dis à demain. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao. Salut tout le monde.